Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche de notification. Ça reste, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid. En fin de contrat avec Liverpool jusqu'au 30 juin 2023, Sadio Mané serait dans le viseur du Real Madrid en vue d'un transfert cet été. Et il semblerait que l'attaquant sénégalais soit déjà assuré de partir à l'intersaison. Après la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid et Liverpool, Sadio Mané aurait fait ses adieux aux Reds. Sadio Mané devrait bel et bien quitter Liverpool lors du prochain mercato estival 2022. Alors qu'une prolongation ne serait pas vraiment d'actualité, l'international sénégalais pourrait être vendu dès cet été pour éviter un transfert libre et gratuit dans un an. Conscient de la situation, le Real Madrid sera en embuscade, prêt à réaliser un gros coup avec Sadio Mané. Et il semblerait que le club madrilène amené par Carlo Ancelotti, ait déjà la voie libre sur ce dossier. D'après les dernières informations d'AS, divulguées ce dimanche après-midi, Sadio Mané serait d'ores et déjà assuré de quitter Liverpool cet été. Après la finale de la Ligue des Champions perdue face au Real Madrid, la star sénégalaise aurait fait ses adieux aux Reds de Jurgen Klopp. Je veux remercier les fans pour tout et l'entraîneur aussi. Je souhaite à cette équipe tout le meilleur du monde, aurait confié le Sénégalais Sadio Mané ce samedi soir. Reste à savoir si le Real Madrid sera le prochain club de l'attaquant de 30 ans. Le Sénégalais Sadio Mané, courtisé par le Real Madrid depuis plusieurs mois, est l'une des cibles prioritaires de Carlo Ancelotti. Après avoir montré son talent à Liverpool, Sadio Mané pourrait devenir la star incontournable du Real Madrid aux côtés de Karim Benzema et de Vinicius. Carlo Ancelotti apprécie énormément le profil du joueur qu'il tient en très haute estime et qu'il voudrait bien voir un jour signer au Real Madrid. Ainsi, à l'approche du mercato estival, il n'est donc pas impossible de voir le Real Madrid dégainer pour le Sénégalais. Après avoir tout gagné avec Liverpool, Sadio Mané pourrait tenter de relever un nouveau défi, un nouveau challenge, surtout si Carlo Ancelotti lui offre l'opportunité de confirmer toute l'étendue de son talent parmi les meilleurs attaquants du monde et parmi le meilleur club du monde, le Real Madrid. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que d'après toi, l'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid est une très bonne idée? Ou est-ce que selon toi, l'arrivée de Mané au Real Madrid est une très mauvaise idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche des notifications. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut à la prochaine.